Nous y sommes. Au Royaume-Uni, le mois de juin est tout particulièrement synonyme de mondanité grâce au rendez-vous hippique du Royal Ascot. Pour l'occasion, la reine est d'ordinaire toujours présente, ainsi que d'autres membres de la famille royale. Malheureusement, du fait de son état de fatigue actuel, Elisabeth II n'a pas pu se rendre à l'événement qu'elle apprécie tant. Kate Middleton et William, eux, y ont bel et bien participé. Nati Belmondo, folle de joie devant la famille royale. Kate et William n'étaient pas les seuls participants de la famille royale. Le prince Charles et son épouse Camilla étaient eux aussi présents. Une nouvelle qui a enchanté Nati Belmondo, elle aussi de la partie. D'habitude très discrète aux événements, la cofondatrice de la maison Hello et n'a cette fois-ci pas hésité à partager son bonheur sur Instagram. Celle-ci a relayé le rendez-vous via ses stories, dont l'arrivée très remarquée du prince Charles et de Camilla Parker Bowles. Vêtue de rose et munie de jumelles, elle n'a rien manqué de l'arrivée royale et s'est montrée plus qu'excitée. La présence de Nati Belmondo s'explique par son amour de la mode et également des défilés Chanel qu'elle ne rate jamais. Il était donc logique de la croiser là-bas, toute pimpante. La belle Nati s'est ainsi rendue au déjeuner organisé pour l'occasion par Ascot, au double C. Elle n'a, là encore, pas manqué de partager son expérience avec ses abonnés par le biais de stories Instagram. Elle a donc immortalisé sa table joliment dressée. Également, l'entrepreneuse a immortalisé le dessert clin d'œil à Gabrielle Chanel et son amour pour le camélia. We'll be right back.